Enfin, justice encore, revoici l'affaire des paillotes corses. Deuxième journée du procès en appel à Bastia. Le préfet Bonnet, qui nie toujours avoir été associé à la décision d'incendier les restaurants de plage, fait face à ses accusateurs. Pour lui, la responsabilité est à chercher au-dessus ou au-dessous, mais en aucun cas de son côté. Stéphane Bretner sur place. Cette fois-ci, Bernard Bonnet a pris les devants. Hier, c'était son avocat qui passait en tête face aux journalistes. Aujourd'hui, l'ancien préfet se dirige seul vers la salle d'audience, mais devant de moins en moins de caméras. À la barre, Bernard Bonnet hésite, vacille même parfois. L'incendie de la première paillote par son directeur de cabinet, le colonel Mazer, une sortie de collégien inexplicable. Alors, pourquoi n'avez-vous rien dit, lui demande le président. J'ai couvert, mais je n'aurais pas dû. Mais vous avez demandé le renvoi de l'un de vos collaborateurs. Pourquoi pas eux, renchérit le président. Ça n'aurait pas été équitable eu égard à leurs états de service, assume l'ancien préfet. Rien de neuf donc dans ces 45 minutes de dialogue déjà entendues en première instance. C'est au niveau du visage. Hein. Le colonel Henri Mazer est soucieux de son image, mais moins de celle de son ancien préfet. Bernard Bonnet m'a demandé de détruire la paillote. Il trouvait que ça n'allait pas assez vite, explique-t-il à la cour. Pourquoi avoir exécuté cet ordre, lui demande le président. Mon chef, c'était Bernard Bonnet, et je n'ai pas à refuser l'ordre d'un supérieur. L'ordre était assorti de l'engagement du secret. Il a dit également que dès les premières minutes, il avait fait offrande au préfet Bonnet de sa détermination, loyauté et honnêteté. C'est ce qu'il a fait. On peut le lui reprocher aujourd'hui, mais cela étant, il n'a fait que suivre sa morale. Comme à Ajaccio l'année dernière, la cour examinera demain l'enregistrement pirate d'une conversation censée impliquer le préfet Bonnet. Après deux jours d'audience, on attend toujours que ce nouveau procès commence.